bloquée. Bonjour tout le monde. Justine, t'es bloquée quoi? Physiquement, amoureusement ou que dans la vie? En tout. J'avais déjà tourné une première partie où on disait des trucs assez sympas et j'étais la seule. Et après, il y avait une autre partie où du coup, Elina m'a rejointe. Et du coup, il y aura un mélange des deux dans cette vidéo, ok? Parce que des fois, j'ai sorti des trucs drôles quand elles étaient derrière et des fois, des trucs drôles ici. Donc, il y aura un petit switch entre moi toute seule et avec Elina. C'est bon? Tout le monde est prêt? Oui. Faut que je fasse d'abord une intro. Ah bah, prise 23 de 23. Je vais sur YouTube. Oui, ça fait... Oh, ça fait... C'est bon, on y va! Allez! Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre aux 12 questions pour le mois de mai. Et je suis accompagnée d'Elina qui avait envie de répondre aux questions. Du coup, c'est parti. Elle va se mettre devant la caméra et aussi répondre aux questions. Ouais! Et derrière, il y a Yorana qui nous pose des questions. Première question. L'heure, le jour, le contexte, le lieu. Je te laisse répondre. Ok. Eh ben, on est à l'EPFL, dans une douche. Oui, dans une douche. Et tout va bien sinon, hein. Le contexte. Pourquoi on est là? Parce que Yorana étudie à l'EPFL. Pourquoi en douche? Parce que j'ai couru et que j'avais besoin de me doucher. En fait, c'est le week-end des 20 km de Lausanne et du coup, t'as fait 2 km avec... Mon travail. Avec son travail. Et du coup, elle est venue se doucher. Comme ça, on pue pas. Et comme ça, après, on peut aller en soirée après. Enfin, ouais. Juste se boire un verre dans un bar. Du coup, voilà. Voilà. Et il est, je sais pas, 19h30. Je te dis. Oui. Il est samedi 7. J'ai du retard, mais en fait, j'ai filmé la vidéo le 5. Mais je déteste cette vidéo. Je supporte pas. Du coup, c'est pour ça que je l'ai refilmée en compagnie. Et comme ça, c'est mieux. Numéro 2. Votre humeur, votre état d'esprit. Alors moi je suis contente d'être avec vous, et toi je sais pas. Alors moi je suis de bonne humeur aussi. Fallait répondre non, je te déteste. Ah non, je suis pas contente d'être avec vous, mais ça va bien. Numéro 3, situation Covid, guerre. Du coup moi au niveau du travail, les bénéficiaires ils ont plus besoin de porter de masque, donc ça c'est un truc, ça fait du bien. Mais par contre il y a toujours les plexis entre deux personnes à table, et c'est seulement deux personnes sur une table, donc c'est chiant. Enfin à une table. Et moi en tant que professionnelle je porte toujours le masque. Mais en même temps, c'est bien quand tu fais les soins ou des trucs comme ça parce que niveau de l'odeur, niveau de la proximité, c'est bien. Et toi? Moi, je fais de la grimace avant parce qu'au travail, nous, le Covid, ça n'existe plus. Du coup, vu que ça n'existe plus dans la vie en général, ça n'existe plus. Voilà. Situation Covid, pour moi, c'est il n'y a plus de Covid. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est bien parce que par exemple, pour aller en transport public ou dans les magasins, il n'y a plus besoin. C'est juste moi, en tout cas au niveau du travail chez moi. Il y a encore plein de restrictions et du coup c'est chiant. Comment vous vivez la guerre? La guerre en fait on en a beaucoup parlé au début mais maintenant on n'en parle pas. Enfin je sais pas. Je pense que ça dépend dans quel milieu tu vas. Ouais. Moi je croise beaucoup de réfugiés maintenant. Ah ouais? Ouais. Moi je t'avoue que ça m'a... J'avais pas envie de m'intéresser à ça. Enfin, c'est un peu méchante, mais genre... Moi, ça m'angoisse, en fait. Ouais, moi, de trop y penser, ça m'angoisse. Et après, je me dis, les États-Unis, peut-être que j'irai jamais parce qu'en fait, on va bombarder et tout. Donc, je préfère pas y penser. Et c'est pour ça que je m'intéresse pas. Et du coup, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Situation amicale, attention à ce que tu dis. Familiale et amoureuse. Alors, amicale, tout va bien. Vous inquiétez pas, je suis pas séquestrée ici. Hein. C'était un choix de venir là. La porte est verrouillée, mais elle peut s'ouvrir de l'intérieur. On s'aime? Ouais, ça va. Est-ce qu'on s'aime? Oui, je t'aime. Toi aussi, toi aussi. C'est à moi de lire. Mais pas du tout. Super, ça vole ma parole. Oh, bon, comment ça va le travail? Alors ça va. Je suis contente d'être avec mes collègues qui sont trop géniales. Mais par contre, j'ai pas de vacances. Donc voilà. Mes prochaines vacances sont fin mai.
Donc en fait, la vidéo du 6 juin, je serai en vacances, mais je serai en révision d'examen, vu que j'ai mes examens le 8 et le 11 juin. Donc ça va pas être des vacances comme mes dernières vacances en février où je faisais des vlogs et tout. Là, non, c'est travail et j'essaye de dormir. La famille, du coup, moment un peu triste de la vidéo, mais du coup, le mois passé, j'avais dit qu'il s'était passé un truc que j'avais pas trop envie de parler. Mais du coup, mon grand-papa est décédé. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué, mais ça va. Je suis bien entourée, du coup, tout va bien. Non, la famille, ça va bien. Je suis partie en vacances avec ma famille et j'appréhendais un peu. Et en fait, c'était trop cool, du coup. Relation amoureuse. Alors, on t'écoute. De toute façon, il peut pas comprendre, donc... Non, pas lui, par contre, je fais les sous-titres, hein. Non, je ferai pas les sous-titres pour cette partie. Ouais. Je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres pour cette partie. Tu écris speaking French, les sous-titres. Je vis une histoire comme dans les livres à Justine. C'était très cucu. Très cucu. Très cliché. Bien compliqué, ça reste, parce que sinon... Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et puis encore, il est bégé aussi, hein. Oui. Faut le dire. Oui, non. Voilà. Puis tu l'as avec, aussi, donc avec... Un American boy, parce qu'il faut le dire quand même. Moi je souhaite pas n'importe qui. Et moi du coup j'attends que de rencontrer un de ses potes ou je sais pas, un bel américain et comme ça. Je crois pas qu'il a trop de potes américains ici. Ah merde. Bah du coup voilà, j'attends de partir en Amérique pour me faire mec. Il y a ses potes qui viennent cet été. Ouh. Ah oui. Avec quelqu'un de très intelligent aussi. Bah oui, mais ah, on continue les parce points. Parce que s'il fait pas un doctorat à l'EPFL, moi. Une journée type. Une journée type. Une journée type. C'est moi qui commence. Oui, tu toujours moi qui commence. Bah alors je commence. Moi du coup c'est toujours les mêmes que les mois passés. Je me réveille, je vais au travail, je rentre du travail et je regarde des vidéos YouTube où je lis. Et d'ailleurs j'ai toujours pas avancé dans mon vidage de vidéos à regarder plus tard. Hein. Toujours un mess, toujours 4000 vidéos à regarder plus tard. Mais c'est pas grave. J'ai vu que Lena Situation commençait à mettre des vidéos à regarder plus tard parce que c'est interdit de regarder des vidéos en français. Je sens qu'elle va vite arriver à 4000 comme moi, hein. Et après c'est mort pour les je sais pas comment tu fais ça. Moi ça m'angoisse, je suis dépensée en fait. Moi ah j'ai ouais, des folders sur YouTube, mais après je suis jamais sur YouTube. Du coup moi une journée type, je me réveille tôt, je prends le train pendant une heure, je travaille toute la journée, je reprends le train pendant une heure, et des fois je grimpe aussi, enfin des fois souvent. Et après voilà. Comme aujourd'hui. Oui. Du coup voilà. Du coup attends, t'as grimpé, après t'es au-dessus de... Oh waouh, tu enchaînes les sports. Oui. Look at you, je suis une sportive. Sportive, moi. C'est une sportive. Mes collègues, ils sont vraiment là, genre Elina, c'est la sportive de l'équipe. Et tu sais, j'ai dit ça à ma mère, je te laisse trop compte que ta fille, c'est la sportive de l'équipe. Elle m'a dit, ouais, j'ai de la peine à croire. Moi, je suis la bouffeuse de l'équipe. Je suis aussi la bouffeuse de l'équipe. Ah, ça moi, va. Je prends tous les rôles. J'ai pas l'équipe. On dirait que je suis celle à l'EPFL dans mon petit coach. Vêtements, accessoires et bijoux. Je peux commencer. Oui, ça. Bah oui, commence. Alors les vêtements. On en a pour 5 minutes. Hein. Non, j'ai trouvé super pure. Alors en chaussures, mes éternelles Converse qui ont des trous partout bientôt. Ensuite, j'ai un pantalon vert. Vas-y, parce que j'aime le vert. Voilà. Qui fait un petit cul. Je vais pas vous montrer. Juste mais ça reste pour nous. Voilà. Ensuite, j'ai un top que j'ai acheté dans une magasin. Oui. Où ils refont des vêtements avec d'anciens vêtements. Il est magnifique, et voilà, incroyable, n'est-ce pas? Les bijoux, c'est mon cadeau de mes 18 ans, et ça c'est un pendentif que j'ai acheté en voyage. Mes bagues, je vais pas faire l'énumération de où elles viennent, parce qu'il y en a trop. Et les boucles d'oreilles, j'ai aussi beaucoup trop de trous, du coup... Et on a fait le conche ensemble en fait. On match. Et ouais. Le mien est infecté. Parce que le mien ne cicatrise pas de manière comme le tien. Voilà, le mien moi je peux dormir dessus, il n'y a aucun souci. Mais le tien... Ça fait des mois que j'ai fait le deuil de mon dodo sur le côté gauche. Fais la fashionista, vas-y, lance. Alors, c'est parti. Mes boucles d'oreilles, c'est toujours les mêmes, je les ai déjà présentées, donc on va stopper là-dessus. Les bagues aussi, la montre toujours aussi chiante, elle est énorme et en fait... L'autre jour j'étais en boîte et genre vraiment je tapais Alexia mais tout le temps parce que ma montre est trop grosse et elle tape tout le monde. C'est aussi peut-être parce que je suis maladroite et que je sais pas gérer mes gestes, mais ça c'est en détail. Alors mes vêtements, j'ai des Zoom 2000, donc c'est des Nike que j'ai acheté à New York. Et du coup ça c'est, oui je le dis parce que c'est, ok c'est de fierté, d'accord. Donc ça fait 2 ans que je les ai. Je porte un jeans un peu, voilà un jeans. Avec une ceinture blanche et puis un haut que j'ai mis en story Insta à la une
quand j'étais allée avec ma meilleure pote, enfin pas vous du coup, Chloé, faire les magasins à Lausanne. I smell the drama. Next one, make-up du jour plus type de soin visage. Ah, on va rire, tu peux y aller. Hein. Alors moi le make-up c'est mascara et soin visage, j'ai mis une crème pour une fois parce que j'oublie un jour sur deux. Et toi? Alors le maquillage, ton maquillage, comme d'habitude, il y en a beaucoup, de blush, hein, beaucoup de mascara, beaucoup de fond de teint. Et le soin visage, c'est tout aussi dramatique. Voilà. Voilà. Des fois je prends soin de ma peau quand même, mais... Tu portes pas de crème? Non. Mais tu sais, la crème trop souvent, c'est pas forcément bien. J'en ai une, mais je la mets de temps en temps, puis je fais des masques de temps en temps pour mon visage, mais sinon... En fait, le truc, c'est que si je fais trop, ma peau, elle est en mode... Ma peau... Help. Acnéique. Ongles, cheveux, peau, alimentation. Ok. Les ongles, ben moi, ils sont juste très très courts parce que je fais de la grimpe et du piano, donc... Smart. Et moi, ils sont très très courts parce que je fais de la grimpe. Mais je me ronge sur tous les ongles. Oui, voilà. Ça, c'est beaucoup plus mal. Mais je vais bientôt aller me faire des faux ongles avec ma collègue qui se ronge aussi les ongles. Du coup, il faut juste qu'on trouve un endroit qui puisse faire sur des ongles rongés parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. Et puis voilà. J'espère avoir d'ici la fin de l'année des ongles longs. Et les cheveux? Bah, les cheveux, je me les suis coupés. Yeah. Il n'y a pas longtemps parce que. Crise existentielle oblige. Mais moi, bah, j'hésite à aller refaire ma coloration parce qu'elle me saoule en fait. Là, je trouve la démarcation est trop toujours forte. Toujours démarcation. Mais on dit pas c'est comme ça. Démarcation. Ah ouais. C'est lui. Ah, on a rigolé, mais on a cru que t'avais pas fait exprès. Ah mais moi, je dis toujours démarcation. Sérieux? Alors moi, je vais changer mes... Tu t'es fait mal? T'as fait quoi le nez? Ah non. Moi j'ai envie de changer mes cheveux parce que du coup je trouve que là il y a trop de démarcation et du coup c'est pour ça que j'ai envie de refaire un peu mon blond. Enfin je sais pas, je suis pas trop satisfaite. À quand le fuchsia? Ah madame, je vais faire une fuchsia. On attend le rose. J'hésite à voir les États-Unis mais en fait le truc c'est que bah, si je vais à la mer. C'est pas très bien, le fuchsia ça part vite et tout donc. J'hésite encore. Mais non, mais les photos Instagrammables c'est plus facile en blonde. Mais t'y penses trop en fait. Ouais. Faut pas réfléchir autour. Je passe un jour en mode hey, c'est parti ce soir, je fais les cheveux. C'était peau. Pensez quoi à notre peau? Bah la peau va bien en fait, c'était juste. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce truc. Et puis même alimentation, je sais pas non plus pourquoi j'ai mis ça. Mais voilà. C'est temps, je mange beaucoup en tout cas moi et toi, je sais pas si ça va. De ma peau? Oui. Non, de ton alimentation. Ah, bah comme d'hab. Hein. Mm-hmm. Et moi je mange beaucoup parce que du coup vu que je vais pas très bien, enfin pendant un petit moment j'allais pas très bien, et du coup bah je mange beaucoup, c'est mon réconfort en fait. Moi voilà. Je mange beaucoup parce que... Parce que la bouffe c'est tellement sacré. Les gars, mangez ouais. Estomac sur pâte. Série. Tu veux y aller? Non vas-y dis-toi. Ok. Bon moi c'est vraiment cliché, c'est vraiment tout le monde a regardé ça quoi. J'ai regardé Heartstopper. Quoi? Yorana n'est pas contente. Elle est vraiment chou cette série. Elle est... Mais ça c'est quand je sais pas quoi regarder. Mais je suis jalouse, j'ai trop envie de la regarder. Elle est vraiment mimes. Du coup j'en ai regardé beaucoup ce mois-ci. Après je suis partie en Italie, du coup j'ai passé des heures dans la voiture et dans l'avion. Du coup j'ai regardé une deuxième fois Shadow and Bones. Parce que j'adore cette série. Toute la série? Oui. Ils ont fait une série? Mais yo, tu viens de quelle période? Il y a une série Netflix qui est incroyable. J'ai les livres. Putain, mais elle a les livres. Attends, avec, elle a les tout livres. On arrête tout. Elle a les livres avec. Elle a les livres avec écrit Netflix dessus. En ouais, gros. Mais j'ai complètement zappé. C'était un film. Mais du coup, moi, je continue mon histoire. Donc, j'ai regardé Shadow and Bones, la première saison. En fait, il n'y en a qu'une. Parce que cette série est incroyable. Et en fait, du coup, ça vient avec la question d'après qui parle des livres, parce que j'ai lu, relu Six of Crows, mais en anglais cette fois-ci. Parce que je lis en anglais, en fait, que en anglais. Je suis accompagnée de personnes qui savent très très bien parler anglais. En fait, moi, je suis en PLS hein, quand j'entends parler je anglais. Je ne lis plus que en anglais. Voilà, voilà. C'est la question. Du coup, j'ai voulu re-regarder parce que j'ai lu Six of Crows en anglais. Du coup, j'étais là, oh, j'ai envie de revoir cette série. Et du coup, j'ai aussi regardé ça, j'ai un peu honte. Mais je sais... Tu sais quoi, on assume. J'ai regardé la saison 2 de Bridgerton. Oh là là, la caméra. Non, en vrai, elle est nulle. Ça va quoi. J'ai lu 5 des livres, faut que je ferme ma gueule. Voilà, elle a lu les livres. Donc voilà. Et sinon, d'autres séries. 14 ans. J'ai l'impression que j'ai regardé un autre truc qui était trop bien.
Moi, j'ai regardé... Oui, vas-y, dis. T'as regardé quoi? Vraiment révélation. Mais en fait, je sais pas si c'était ce mois-ci ou pas. Mais moi, en fait, je suis la pro pour les séries qui ont hyper du succès. Aller regarder 3 ans après, parce que voilà. J'ai regardé Anne with a Knee. Ah oui, Angèle, si tu tombes sur cette vidéo, même si je pense que pas, elle est incroyable cette série. Elle est vraiment tellement belle. Il n'y a pas une phrase de la série qui n'est pas belle. Genre, j'ai trop envie de la regarder. Je suis tombée amoureuse. Et du coup, j'ai acheté les livres pour les lire aussi parce que. Voilà, c'est tout, les séries. Désolée. T'inquiète, vas-y. Et puis moi, du coup, au niveau des séries, j'ai regardé Meurtre au paradis, la nouvelle saison là, et elle est sympa. J'ai essayé de la regarder en VO, mais leur accent est horrible. Du coup, c'est assez compliqué, surtout que c'est sur la télé et les sous-titres, c'est pas nickel nickel. Souvent, ça vient 2 minutes après, donc c'est un peu chaud pour suivre. Mais sinon, j'aime bien. Et puis, le film, on a regardé ensemble In the Between. Oui. Donc c'est un film Netflix. Et moi, je trouvais que ça ressemblait énormément au livre et au film Si je reste, mais en plus paranormal. Nous, on voulait regarder un petit truc cucu pour chialer et tout. Au final, Justine, elle s'est pissée dessus. J'avais trop peur. Justine, on regarde un film qui fait pas peur. Elle est plus ça. C'est vrai que... Elle a peur dans Anastasia. En même temps, Anastasia, ça faisait peur à un moment donné. On a regardé aussi la série The Wild. Donc, j'avais déjà regardé la saison 1 l'année passée en streaming. Et là, bah, on a regardé sur le compte aux frères Ayurana pour regarder la première saison. Et il y a la deuxième saison qui sort, qui est sortie hier. Et puis, il faut qu'on regarde la fin de la saison 1. Comme ça, Ayurana t'aura envie et besoin de regarder la saison 2. Parce que du coup, c'est pas encore la fin de la saison 1. Et moi, je la sais et j'en sais. Ah, du coup, voilà, il faut qu'on la regarde. Les livres aussi, les livres. Alors, du coup. Explique-toi. Enfin, moi j'ai lu Six of Crows, comme j'ai dit avant. Là, je suis en train de lire le 2 actuellement, en anglais toujours. J'ai pas beaucoup lu ce mois-ci à part ça. Du coup, bon, après, il y a des assez gros livres, donc s'il vous plaît. 360 pages, non voilà. Mais sinon, j'ai acheté un livre et je me réjouis de le lire parce que, en gros, quand j'étais petite, j'ai lu Aristote et Dante. Et c'était vraiment le livre de ma vie. Genre, j'ai kiffé ce livre absolument. Et en fait, ça me fait trop rire parce qu'il y a pas longtemps, sur TikTok, il y a tout le monde qui en parlait en mode il est trop bien ce livre. Moi, j'étais là, ouais, c'était mon livre préféré. Et là, il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Du coup, je l'ai acheté, toujours en anglais. Et non, en même temps, c'est en VO donc. Oui, c'est l'édition en fait d'acheter des livres en anglais. Moi, je peux plus acheter en français, je ne m'énerve plus. Du coup, je me réjouis de le lire. En fait, j'ai un peu peur parce que si les... Enfin, j'ai le premier a une place importante dans mon cœur. Du coup, si le 2 est moins bien, ça va me rendre triste. Mais je me réjouis de voir. Du coup, voilà, sinon j'ai pas trop d'autres. Et il faudrait que tu lises aussi un autre livre. Oui, c'est vrai. Lequel? Tu connais moi le titre ou pas? Oui. C'est quoi? Il y en a deux, allez. Non, il y en a deux à lire. Mais c'est Colleen Hoover, mais... Il y a deux livres de Colleen Hoover. It and With Us. Voilà, It and With Us, parce que, en fait, si vous savez pas, tu peux le refaire. La meurtre au paradis. Non, mais promis, je m'en sors un peu en anglais. Parce que, du coup, Colleen Hoover, c'est une autrice que j'adore. D'ailleurs, là, je viens de finir son livre qui s'appelle Verity, et du coup, trop trop bien, même si c'est un thriller, mais voilà, ça, j'avais pas vu. Et en gros, Colleen Hoover, elle est trop bien, et souvent, il y a un plot twist à la fin. Le truc... C'est que moi, j'ai été spoilée sur le The End With Us et du coup, bah, j'ai pas envie de le dire parce que je connais la fin. Sauf Elina ne connaît pas la fin et du coup, elle a besoin de le dire parce que je sens que tu vas être spoilée assez rapidement. Du coup, c'est pour ça, j'ai trop envie que tu le lises. Et il y a aussi l'autre livre, enfin c'est une trilogie que moi, c'est mes livres genre préférés de chez préférés à part Dividai ou Divili, je sais pas comment ça se dit. Yo, t'es en train de mourir. C'est pas grave, je vous aime quand même. Et du coup, ça s'appelle Indécent, Incandescent et Éblouissant. Et c'est trop bien. Et du coup, bah voilà. Lisez-le. Ellie, lis-le. Parce que vraiment, une pépite. Alors, du coup, mes livres que j'ai lu The Deal, donc le tome 1 de Off Campus. Et il y a 4 tomes. Et après, il y a encore 3 tomes qui s'appellent Briar You. Et c'est un peu un spin-off. Et du coup, c'est trop bien, les Off Campus. Enfin, moi j'aime bien, c'est vachement cucu, vachement cliché, mais c'était sympa. Et du coup, j'ai commandé le deuxième et bah, je veux commander tous les autres aussi pour pouvoir tous les lire. J'ai aussi lu des livres de la bibliothèque, bah, du coup,
Verity de Colleen Hoover. Donc moi, genre vraiment, j'étais à la bibliothèque, j'ai vu Regretting You. Ça, j'arrive vraiment pas à le dire avec mon accent anglais. Hein. Regretting You, qui était un énorme coup de cœur, et celui-là. Et en fait, bah, je les ai pris sans même regarder la quatrième page de couverture. Et en fait, bah, j'avais pas vu que c'était un thriller et que c'était super chelou. Et le plot twist de fin m'a fait genre... J'étais comme ça devant mon livre et j'étais en mode... Ah. Du coup, voilà. Lisez-le, il est assez bien, mais du coup, ça fait un peu peur. J'ai aussi lu L'amour c'est. C'est en fait un livre où... Bah, en fait, j'étais là. Je l'ai pas fini. C'est ça. Et en fait, il y a 200 auteurs qui ont fait des mini-poésies ou des mini-trucs comme ça. C'est trop chou. Et en fait, c'est pour redonner à une association. Pour le... Ça s'appelle Le Rire Médecin. Et du coup, c'est pour une association. Et bon, moi, du coup, je l'ai pas acheté, mais je l'ai juste loué. Et en vrai, c'est cool de lire une fois parce qu'on voit la différence. Enfin, comment les gens voient l'amour. Et c'est que des auteurs connus en français. Enfin, il y a genre Virginie Grimaldi, plein de trucs comme ça. Très chou. Peut-être j'en ai oublié un, mais en tout cas dans la barre d'infos il y aura tous les livres que j'ai lus et le lien pour avoir mon avis sur Goodreads. Trois chansons plus playlist préférées. Du coup, Ellie, tu peux commencer par la musique que t'adores. Oui, le nouvel album de Alec Benjamin. Incroyable, il est vraiment ouf. Yo, elle est en derrière. Oui, c'est moi qui me l'ai fait. Du coup, cet album est vraiment ouf. La musique que je préfère, je pense que c'est... étant une personne qui écoute beaucoup de musique triste à souhait, même quand ça va bien, c'est Shadow of Mine. She got me too. Mais juste ce petit piano au début là, ça y est là. Ah. Cet album, ça fait on se comprend. Sinon, des musiques que j'écoute souvent, c'est tant. Il y a. Moi, il y a She de Harry Styles. J'écoute tout le temps, c'est tant. Je la trouve super mélancolique et tout. Et elle est belle. Elle est belle. En fait, moi, j'ai tendance quand j'ai des musiques que j'aime bien, c'est assez horrible, mais j'écoute les mêmes en boucle jusqu'à ce que j'en peux plus. T'as écouté Hive ou pas? Oui. Et la sortie. Oui. Et... oui. Mais en fait, je la trouve pas sur Spotify et du coup, ça me saoule trop. Non, parce que. Mais en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vais moi non plus. Ok, parce qu'en fait, elle est pas notée dans son nouvel album qui va sortir. Donc la musique s'appelle Hymn. Mais en fait, elle a fuité de on sait pas d'où. Et elle est trop bien, mais je sais pas où la retrouver. Et du coup, moi, j'écoute toujours toutes mes musiques sur Spotify. Donc voilà, je peux pas l'écouter vraiment. Enfin, je suis obligée d'aller sur YouTube. Mais sinon, elle est très belle. Ça, c'est bien, ouais. Vas-y, lis la citation. L'amour c'est l'essentiel, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Oui. Du coup, moi j'ai changé de playlist, je la mets toujours en barre d'infos avec le lien, mais maintenant elle s'appelle Blablou. Et du coup, je l'ai nommée comme ça parce que ma première musique que j'ai ajoutée c'était Blablabla. D'ailleurs, un petit extrait. Et elle est trop bien. Vraiment trop bien. J'ai mis un frisson. Une autre musique, c'est Thunder, qui est assez bien en extrait. J'aime bien écouter ça à fond dans les oreilles, dans le lèvre ou dans le bus, ma passion, ou dans la voiture très fort. Parce que oui, en fait, j'ai oublié de dire, j'ai eu mon permis. C'est un petit détail. Il y a deux mois, en fait, le 14 mars, j'ai eu mon permis. Dans le lèvre et dans le bus. Thunder ? Non, mon permis. C'est pas vrai. Mais en fait, ça m'aurait pas choqué. Hein. Ça m'aurait vraiment pas choqué. Si je viens de vivre quelque chose là. Mais je vous ferai un truc comme ça quand je l'aurai. Oui. Sérieux? Bien sûr. Bah, à la base, c'est ce que je voulais faire. Sauf que je me suis fait. Enfin. Bah, à la fois, on avait rendez-vous le dimanche soir pour réserver notre vol d'avion pour cet été. Bah, le lendemain matin, j'avais mon permis. Ouais, mais tout le monde le savait, ça, de toute façon. Bah, à la base, j'étais pas censée le dire. C'est juste que j'ai dit, je veux pas rentrer trop tard. Tout après, j'ai beaucoup écouté les anciens albums d'Harry. Et du coup, logiquement, le 6 juin, il y aura logiquement tout l'album d'Harry vu que ça va sortir. Oui, j'ai pas dit 6 juin. Non, mais c'est. Oui, non, mais ma prochaine vidéo. Ah, c'est le 6 juin. Oui, c'est un peu. Je voulais filer ma phrase. Le 20 mai, il y a le nouvel album d'Harry Styles qui sort. Et du coup, le 6 juin. Clairement, je vais vous faire écouter ces chansons. Du coup, vu qu'on a regardé In The Between, le film, il y a deux musiques que j'écoute qui sont assez bien. C'est Closer,
between. Et elles sont assez bien, très mélancoliques vu que c'est une histoire d'amour triste, mais sinon elles sont cool. Du coup, tes chansons. Oui, en fait, je tirais juste une théorie sur le fait que quand il y a une musique ou un album que j'aime bien, j'écoute la même chose jusqu'à ce que ça me saoule. Voilà. Ça peut être qu'une musique des fois. Là, en l'occurrence, c'est un album, du coup, ça prend un peu plus de temps. C'est justifié. Voilà. Sinon, au travail, grâce aux enfants avec qui je travaille, je passe des heures à écouter Kenji Girac, Dajou et Disney. Voilà, mais ça, c'est pas... Au bout d'un moment, t'apprécies. Hein. C'est ça qui force. T'es obligé d'être... Au bout d'un moment, t'es obligé d'apprécier quand c'est toute la journée. Quand tu commences ta journée avec Thiago, enfin Kenji Girac, c'est le titre d'une musique de Kenji Girac d'ailleurs. Ah ok, moi je pensais que tu disais le nom d'un enfant. Ok. Il manque genre Thunder, il manque des chansons de The Indie. J'ai dit Thunder. Non, tu l'appelles, elle a dit blablabla. Dans le même style de Thunder, moi j'écoute aussi Blablou. Non. Tu viens du tout. J'y vais. Pour une question un peu plus deep, c'est quoi votre objectif du mois? Alors déjà, moi je veux faire un update de mon objectif du mois passé. Donc à la base, c'était à la grimpe de réussir une bleue, une voix bleue. J'ai pas réussi, mais j'y étais presque. Et du coup voilà, mais après en attendant, je suis allée une fois entre la vidéo du mois passé et cette fois. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment m'améliorer. Bah en fait, j'avais une énorme ampoule à mon pied, genre une cloque, mais genre énorme. Et du coup, on peut dire qu'elle avait la lumière à tous les étages. Ça, c'est drôle. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pas grimpé, mais du coup, c'est toujours mon objectif. Et de toute façon, si c'est un mois en retard, ce sera quand même l'objectif accompli, atteint. Wow. Donc voilà. Et j'avais aussi dit dormir beaucoup, de rattraper mon heure de sommeil, enfin mes heures de sommeil en moins. Non, écoute, on va peut-être attendre février de l'année prochaine pour pouvoir récupérer un rythme. Ça, c'est bien comme objectif. Oui, février de l'année prochaine, ça me laisse pas mal de temps. Du coup, mon objectif du mois, c'est de pouvoir réviser pour réussir mes examens. Voilà, c'est un peu l'objectif nul. Mais enfin, non, hyper important pour ma carrière, mais nul pour moi parce que, excuse-moi, mais réviser, c'est pas un objectif du mois super. Wouhou! Du coup, Moi je révise du lundi au dimanche, tu me fais chier. Mais moi j'aime pas réviser. Moi c'est genre vraiment je déteste ça. C'est pour ça que j'arrête les études. Tu es en train de parler de ton objectif du mois. Oui, du coup c'était réviser. Et voilà. C'est triste. Pour réussir mes examens et après me casser. Et toi? Moi j'aimerais bien avoir le même que toi. Enfin, on a les mêmes examens. Oui. Vu qu'on est dans la même du classe. Coup, vu que j'ai envie de faire la bonne élève, je vais réviser aussi. Mais du coup, comme objectif du mois, j'en ai plusieurs. Je suis pas américain. Bon, alors le premier. Elle a parlé de. Oh, il y a une voix au cul, mais genre un dynamique hyper stylé, regardez. Enfin, j'arrive pas du coup. C'est une voix à quelle couleur? Verte. Tu dois sauter. Parce qu'elle fait des vertes. Tu dois sauter et tout. Montre. Non, parce que je me pète la gueule là. Du coup c'est de la merde. Mais ça a l'air du coup j'ai envie de réussir mon truc où je saute sans me casser la gueule. Et sinon mon objectif du mois c'est de... J'essaie de formuler ça de manière bien. Arranger ma situation amoureuse. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien dit. C'est bien dit hein. Et puis du coup vu qu'on parlait des études et des examens, tu peux dire peut-être ce que tu fais l'année prochaine? Oui, l'année prochaine je vais à la haute école de travail social lausannoise. Donc là, HES. Oui, HETSL. Ah, ça se dit HETSL ? Oui. Ah, mais c'est pas la même chose que l'HES ? Si, c'est l'HES, mais c'est HETSL. Ok. Si c'est HES, les gens, ils sont un peu perdus. Ok. J'ai passé mes examens d'entrée il y a 2 semaines, du coup, j'attends les résultats. Du coup, si tout se passe bien, je vais là-bas l'année prochaine. Et si tout se passe mal, je me tire, je prends mon sac à dos et vous ne me revoyez plus. Comme ça, il y aura une en Suisse. Quand j'aurai fini la HES, je prends mon sac à dos et vous ne me voyez plus. C'est juste le timing qui n'est pas le même au final. Et moi, le type de en fait, j'ai demandé à faire l'outro, mais je sais pas quoi dire parce que je suis un peu gênée. Du coup. De toute façon, il y a peu de gens qui restent jusqu'à la fin. Je t'avoue que moi-même, en regardant les vidéos des youtubeurs, oui, quand je sens que la vidéo elle touche à sa fin, je la regarde plus. J'espère que c'était cool. En tout cas, moi j'ai trouvé ça cool de répondre aux questions de Justine.
Et du coup, c'était très sympa d'être accompagnée. Oui. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et du coup, mettez un pouce en l'air, allez regarder. Et maintenant, on va aller manger. Oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais je disais juste, allez regarder mon Insta. Quand je veux faire ma pub, tu me coupes à chaque fois. L'autre fois, c'était l'oreiller dans la gueule. Cette fois, c'est tu me coupes.